青い顔の殺し屋は。Vous allez voir trois films de Seijun Suzuki, deux de 1963, un de 1967, de 1963, Détective Bureau de Troyes, Jeunesse de la Bête, et La Marque du Tueur, 1967. Tous les trois avec un acteur prodigieux, fétiche, très connu et unique en son genre, Joe Shishido. Il s'agit de trois films de Yakuza, c'est-à-dire le monde des gangsters japonais. C'est des films produits par un studio, l'Anikatsu. Il s'agit de films B, c'est-à-dire des films d'action de genre, avec à la fois un regard à la fois très drôle, très inventif, très fort dans la mise en scène, avec beaucoup d'humour, beaucoup de talent visuel.